Bibliothèque nationale tout, permettre-moi de participer, non pas pour rendre hommage uniquement au père fondateur, mais tout simplement pour cadrer par rapport à la réalité aujourd'hui, les grandes lignes de son projet et de son action, et pour voir tout, quel type de relation gagne entre le projet ça et porte l'IA avec la situation qu'on a vécu aujourd'hui là. Et bien entendu, c'est pas nous pas gain pour nous et régler question et sauver politique aujourd'hui, mais pour exactement parce que nous des salines tellement cité et nous quoi le dit tout pour qui ça que le cité et pour qui ça que le cité et pour qui ça les mêmes vins mythifiés et pour qui ça tout jusqu'à présent que malgré et c'est ça me voit le dit toute dégradation et dégradation pays a non des salines à côté de l'autre éclatement l'autre système et de référence pays a gagné non des salines non toujours été et action tout mais souvent le monde a parlé de des salines que ce soit secteur politique ou bien les gens ordinaires ou bien l'impression des fois que ça y a dit de des salines non c'est pas nécessairement ça que milieu qui et porter discipline historique là ouais par cours société d'histoire ou bien quelques professeurs d'histoire ou bien à l'université c'est pas toujours une correspondance entre ça et monde qui fait politique a dit et ça que concrètement des salines déportées alors c'est globalement c'est sous ça on va parler tout. Non, moi-même, comme d'habitude, depuis la Bibliothèque nationale, j'ai une activité souvent époque des Salines. Il y aurait les deux, trois membres de société d'histoire ou bien deux, trois collègues. Parfois, c'est écrivain. Tu as l'homme songé, c'est moi-même, à un écrivain, et Lionel Trouillot, qui t'est venu parler de des Salines. Ouais. Et donc, c'est une conférence qu'a faite en souvenir et en hommage à Joussard. Ça des salines potées pour nous ou bien ça le quitter ouais m'a pour dit peut-être autrement ça me dit je dis à une inquiétude pour pays ça une en pile préoccupation c'est que on dirait haïtien a parlé de Haïti et puis il a parlé de Haïti avec une désinvolture autant de d'avoir dit depuis 200 ans pas une démocratie et puis il y a des mots qui galvaudent ouais aidé par un lexique que mondialisation a produit qui perd une. Mais ça me constater, c'est un rare, je vais le dire au début de la conférence, là, c'est un rare élément qui construit la spiritualité haïtienne, qui était, malgré la situation, quel que soit ce qui passé, où elle était, et ce qui non, non, des salines. Même si chaque monde servit avec elle, dans les gens pas selon l'intérêt. Pour que aujourd'hui, il y a opposition et gouvernement, ils ont tous deux observé à nos Dessalines et ils ont un caractère politique et Dessalines toujours une récupération politique, quel que soit mon nom. Ouais, et c'est assez important. Alors, peut-être dans le débat, je suis capable de plus expliciter pour qui ça. Le pays a perdu tout repère, hein? Système scolaire. On dirait pays ça. Tout pays pour fonctionner, il faut une philosophie derrière. Une grande philosophie, faut une grande philosophie pour éclairer le système scolaire, faut une grande philosophie citoyenne qui traversait tout haïtien. On dirait aujourd'hui pas qu'il y a aucune philosophie qui traversait pays ça. Et puis discours politique là dominé par une terminologie ah peuple là, peuple là, peuple là. Et puis des fois mon yo par contre ça a dit le dit peuple là, on dit sans arrogance aucune ou bien pendant a dit peuple là, a évoqué peuple là et puis action tout à fait contraire à fondamentalement sur les intérêts global et citoyens et population. Le travail a toujours fait. Et il y a des professeurs, moi-même toujours étonné, dans le coin reculé des pays d'Haïti. Gardez aujourd'hui, gardez son travail qu'il a fait. Gardez journalistes déplacés, malgré la situation gagnant, gardez une assistance qu'il a, vous comprenez, malgré tout, et puis gardez employés qui, justement, connaît que son jour et yo fait c'est la veille et 212e anniversaire travail la fête mais conditions matérielles et conditions culturelles yo dégradé en pile
Ouais, et c'est ça qui fait un handicap pour le travail là. Et puis, Haïtiens, ils n'ont pas gain, même contrairement à Haïtiens longtemps, Haïtiens aujourd'hui, ils n'ont pas gain sorte à créer un objectif commun que justement qui est inscrit dans la préoccupation du projet des Salines, qui est un projet de construction d'un collectif solide. Moi, je fais confiance à Haïtiens, à Haïtiennes. Ça, pour un grand jour. Et les gens qui pourraient prendre la rue, ils ont une légitimité pour prendre la rue. Parce que l'État, j'en fonctionné, et les responsables de l'État, j'en fonctionné ces derniers temps, conduit à la situation. Ça. Ouais, même quoi, tout le monde a des salines dans les et d'un côté et de l'autre, son journée a bien passé, mais qui a fait la situation politique, situation sociale et économique pays a avancé. Il y a une journée de déblocage de situation pays. Ça.